Ok, yes. Donc, on commence par WhatsApp. Attention, c'est ouais. 3, 2, 1. What's up, Madakassi? Si maintenant, vous avez. Allez, on fait. Donc, c'est Gabriel. Ah, vas-y. 1, 3. Madakassi. Ouais. Ah, c'est What's up Madakassi, c'est Armel et Gabriel. Là, cette fois-ci, on est de retour du coup depuis un bon moment quand même déjà. Voilà, ouais, on s'est assauté pas mal de temps puisqu'on était un peu tous blessés. Armel, il s'était fait fracture du ménisque. Moi, c'était clavicule déboîtée et puis Arvin, c'était la cheville qui revenait encore et encore et encore. Des douleurs. Du coup, ben, on a dû mettre un peu de repos dans tout ça. Entre-temps, on a fait des stories sur Instagram, Madakassi, sur nos Insta aussi perso, vous pouvez les retrouver dans la description. On a aussi eu nos accès à la salle de Louis Hachine. Voilà, on a eu des petits nouveaux aussi qui nous ont rejoints. Ils ont pu commencer tranquillement dans la salle, sur les tapis, etc. On a passé notre CQP avec Armel, donc ça y est, on est diplômé professionnel de parcours. Bang bang. Le CREGYM nous a invités au gala qui était organisé pour les clubs de gymnastique, donc on a pu se représenter devant tous les clubs de la Martinique. Ouais, on a préparé un petit spectacle, une choré, on était 7. On a eu aussi un spectacle au centre de Muriel Bodo, comme on donnait des cours de parcours aux élèves de Rivière Salée. On a des vidéos aussi qu'on va partager maintenant. Mais du coup, tout ce temps d'absence nous a aussi laissé le temps parce qu'il restait des subventions de la direction des affaires culturelles. Et donc, on a organisé pour cet été un tour d'Europe. Tour d'Europe. Madakassi Europe Parcours Tour. Pendant 5 mois. Pendant 5 semaines, on va faire 4 pays. 4 pays ? Pas 5. On va faire la France. Donc, Paris, Rennes, Nantes, Toulouse. Après, on fait l'Espagne avec Barcelone et Madrid. On enchaîne avec le Portugal, on va à Lisbonne. Et on finit par Amsterdam. On a plusieurs objectifs. On va d'abord apprendre à connaître les différents clubs de la métropole. Ensuite, leur parler de nous en Martinique, de nous parler de nos différents spots et puis du patrimoine martiniquais qu'on veut mettre en avant. Savoir qu'est-ce qu'eux, ils ont mis en place en métropole. Comment on pourrait s'inspirer de ce qu'ils ont fait ou éventuellement, quels conseils ils auraient à nous donner pour faire progresser le parcours en Martinique. L'Europe, c'est pour cet été, mais on veut continuer à développer le parcours. Cette fois en Martinique, du coup, on a l'intention de, comme on a le CQP maintenant, de encore plus structurer la discipline. Donc avoir accès à des salles, pouvoir ouvrir d'autres clubs ailleurs. Ben, du coup, s'améliorer sur les réseaux pour la communication et du coup, ben, essayer d'augmenter le nombre d'abonnés, justement. Donc si tu n'es pas abonné, tu fais la cloche. Améliorer nos stories aussi, être plus présent sur les réseaux. En étant plus présent sur les réseaux, on aimerait augmenter le nombre d'abonnés avec pour objectif les 1000 abonnés sur YouTube. Pour ceux qui seraient intéressés du coup, qui seraient en métropole ou ailleurs pendant qu'on y est nous aussi et qui veulent nous rejoindre sur les spots, on va être très actifs notamment sur nos stories. Donc savoir que les vidéos, il y aura un décalage, mais les stories, elles seront live. D'actualité. D'actualité, voilà. Donc n'hésitez pas, les dates s'affichent juste là. Donc, du coup, c'est bon, ouais. Je crois que c'était notre récapitulatif de toute cette absence. À la base, on était venu ici pour reprendre les sessions dehors, mais la pluie nous a chassés, forcément. Yes. Yes. On prévoit aussi de faire peut-être quelques interviews de chaque personne qu'on va pouvoir croiser. Sur ce, si vous voulez nous soutenir, abonnez-vous, likez, commentez, partagez, et puis faites du parcours. Faites du parcours.